Au moment d'écrire la préface du livre de son père, il se souvient de ces mots discrets posés sur le papier qu'il garde toujours avec lui. Des mots qui l'inspirent, des mots qui font ce qu'il est. On n'imagine pas la force des mots qui écrivent le parcours d'une vie. Il y a un temps pour comprendre, un temps pour construire, un temps pour transmettre.